Bon, c'est parti les refs, réacte du chapitre. Le prince maudit. Merci à Onizukense et à Goruden Bezon. Merci les refs pour la force que vous donnez à la commu en traduisant le chapitre. Allez, c'est parti. Bon, on revient avec eux. En pleine mer. Écoutez, guerrier d'Elbaf. On arrête les recherches. Quoi? Ça, c'est vraiment des moves de japonais, ça. Ça, il n'y a que. Genre, quand t'es surpris, t'as déjà vu un mec être surpris dans la vie faire ça? Genre, on t'annonce une nouvelle. Putain, j'y crois. Oh, non! Y a que les Japonais, je vous jure, c'est un truc de fou. Ils ont des codes sociaux différents. On n'a pas trouvé la moindre trace d'eux malgré nos recherches. Mais ils sont vivants. Je suis sûr qu'ils le sont. Merci de votre aide pendant les recherches. On vous en doit une. Tu as raison, nous allons tous à Elbaf, autant les attendre là-bas. Les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés, tout le monde a fait de son mieux. On n'a pas de provisions, mourir de faim ici serait vraiment terrible. Ils sont calmes. Ça, c'est un équipage d'empereur, ça. Ils sont calmes. Oh, salut Sunny. Ils sont calmes, ils sont bien, ils n'ont pas peur. Ils ont confiance. Ça qu'on aime. Bon, eh ben, si vous me dites que c'est bon, ça me va. Allez, cap sur Elbaf. Ouais. Buvons un coup pour fêter notre retour. Le problème, c'est qu'on n'a plus rien à manger. Gah, bop, 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 bop. Ils doivent partager mon frigo. On a le même frigo. Waouh! C'est énorme! Ah, c'est vrai qu'ils avaient pété le mur. Ok, donc là, c'est eux qui se barrent. C'est quoi cet arbre? Il a l'air vieux, il doit avoir au moins 1000 ans. Donc ça, c'était... C'est quoi? Il y a un château. Ok, donc là, ils sortent de ce château-là. Et ça, c'est l'arbre du coup. Ok, bah c'est l'arbre qu'on voit à chaque fois en fait quand on arrive sur. Quand on nous montre l'île, tout le temps, même dans l'anime, on voit un gros arbre, on voit un gros truc, c'est ça. C'est rempli d'arbres ici. Ils sont énormes. Il fait froid. On est en pleine montagne. Regardez là-bas. Il y a un pont super long. Puis ton pont, c'est de l'acrobranche. Prendre ce pont, c'est de l'acrobranche. Sonia a planté l'arbre, c'est des bâtards. Tout est si grand, j'ai le vertige. Regardez, deux géants sont en train de traverser, cachez-vous! Oh, mais elle, on la connaît, elle! Hé hé hé! Oui, voilà, on la connaît, on l'a déjà vue, dans la présentation de l'équipage d'Ajrodine, là. Pourquoi Ajrodine a recruté un type aussi cinglé? Wouh! Nouvel équipage des géants Doctoresse. Gerd, choisissez comme vous voulez les refs. Je le déteste. C'est lui qui devrait porter le surnom de Loki. Ah, genre porter le nom de Loki parce que c'est un bon navigateur. Nouvel équipage des géants cuisinier. Goldberg. Ah, le frérot, il mange bien, hein, le cuisinier, hein? Le cuistot, il fait pas qu'à manger aux autres, hein? Il sera content de l'apprendre. Tu l'as vu? Pas vrai, Pipé? Pipé, ouais. Son corbeau a encore apporté un bateau. Tous les intrus doivent être attrapés. Mais c'est Rhodes qui les transforme en intrus en les faisant entrer sur Elbaf. Rhodes, c'est vraiment une merde. C'est bon, on est passé tout au bas. C'est cool de les voir à l'action. On va les voir, ils vont avoir un rôle du coup. Hein. C'est stylé. Cache-toi, Luffy! Pourquoi tu te caches, frérot? Hakudaki des rois, on n'en parle plus. Ils ont pas l'air méchants. Doucement, doucement. Je vais parler de son cas à Jarl. Jarl, ça c'est un vrai blast de. Fais le hibou, Sunny, wesh. Eh non, un hibou, ça fait... c'est un pigeon, ça. Frérot, je sais pas, je croise pas d'hibou, mon ref. Je croise des pigeons à Paris, c'est tout. Vous avez entendu? Ils ont parlé d'Elbaf. On est arrivé. Je n'aurais jamais cru que les géants étaient aussi belles. Hé, vous, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Luffy. Et vous, est-ce que c'est... Et là, la ferme, crétin! T'as zappé le passage où il parlait d'attraper des intrus? Mais cousine, t'as... Attraper les intrus? T'as Zoro, t'as Sanji, t'as Luffy. Ils étaient en sécurité de fou furieux. Ah, ils ont péta. J'ai rêvé? Peut-être. Ding dong! Gros, t'es là! Ouais, ça y est, ils sont passés. Ils les ont vesquis. Wouah! Ça tremble, c'est super long.
On doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Pourquoi, Zoro, tu dis ça, frérot? Tu les découpes? Je comprends pas, frérot. T'es mal à la taille des loups. Ah ouais, ils sont minuscules, c'est vrai. Ça fait bizarre de voir tout en grand comme ça, là. Franchement, ça rend bien de ouf. Faites attention aux espaces entre les planches. Ce pont a été conçu pour les géants. C'est bon, ami. Moi, je marche sur la corde. Je suis doué pour ça. C'est un test. Un test pour les braves guerriers. C'est Usopp. Je savais qu'il bégayait. Mais pourquoi la nouvelle? C'est de te défoncer tout le monde. Surtout que les trois. C'est des alliés. Et pourquoi la nouvelle, c'est de défoncer tout le monde, surtout que les trans. Je vais pas lire ta phrase, frérot, je pense que tu voulais dire autre chose. Tu voulais pas dire trans, je suppose. C'est des alliés. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Pas défoncer tout le monde, mais faut pas avoir peur, c'est bon. C'est un empereur, te cache pas, frérot. Salut, Belcross. Il y a un paquet de loups géants dans la forêt en dessous de nous. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi, non? Ça m'a fait frissonner. Ressenti quoi? C'est quoi qui a donné des frissons? Genre, ils sont dans une tempête de neige. Ça va. Mais il a ressenti un truc qui lui a donné des frissons. Je n'y vais pas. Bon. Et il ne doit pas y aller non plus. Il ne doit surtout pas aller dans la forêt. Miskine. Il tombe dans la forêt, il se retrouve au Bourg-Palette ou à Jadiel. Direct. J'ai entendu le même rugissement dans le pays des blocs. Je crois que ça vient de là-bas. Partez devant. Il sent pas les clés, oui, il y a des loups, des tapes. Ça c'est bon, ça c'est mon Luffy. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Luffy? Sois courageux, Usopp. Est-ce qu'on va avoir la mutation d'Usopp? Est-ce que Usopp, petit à petit, va avoir du courage? Tu vas où, Luffy? La forêt est remplie de loups. Car Chopper, c'est bon, il va les massacrer, les loups. C'est les loups, les pauvres. Salut Naxen, salut mon ref. C'est les loups, les pauvres. La tempête. Ah, on est de retour. Ok, ouais, oh, la transition. Quoi, nous? J'ai peut-être sauté une page, non? Non, j'ai pas sauté de page. Ah, c'est la vraie transition, ça? Ah ouais, d'accord, ok. Quoi, nous? Ils disent qu'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead. Ah, les journaux! On va voir du coup si on a flop ou pas. Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Le texte est trop petit, j'arrive pas à lire. Je vais lire pour vous. L'équipage des géants est de retour après 100 ans d'absence. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage à Egghead, en compagnie de l'empereur Luffy au chapeau de paille. La nouvelle prime des capitaines de l'équipage des géants Broggy le démon rouge et Dory le démon bleu s'élève à 1 800 000 000 de berries. Ah ouais! Ah ouais, les frérots! Ah, ils ont augmenté! Elles sont stylées leur avis de recherche. Elles sont stylées de ouf. Donne un fruit du démon à Usopp. Ce serait quoi, frérot? Le fruit du démon Zoisite. Pour toi, ce serait quoi le fruit du démon que t'aimerais qu'il donne à Usopp, s'il devait lui en donner un? Un milliard et 800 millions. On n'avait pas l'intention de revenir. Frérot, c'est trop tard, vous êtes là maintenant. Le fruit du courage. Le fruit du flop. Non, il l'a déjà, frérot, pas besoin de fruits. C'est génétique directement. Un loga minimum. Votre prime était de 100 millions avant, non? C'est une sacrée augmentation. Les critères pour établir le montant des primes ne sont plus les mêmes d'il y a 100 ans. Ça me paraît cohérent pour les chefs des guerriers d'Elbaf. Mais pour moi, c'est même pas qu'il y a 100 ans. Les primes tout court. Les primes dans One Piece, post, comme je l'ai toujours dit là, depuis post plus d'équilibre, ça n'a plus du tout le même impact parce qu'il n'y a plus de notion d'équilibre. Ça y est, là, les primes, tu peux plus les comparer à l'époque. Tu peux plus les comparer à l'époque. C'est pas possible. Les primes, elles ont explosé parce qu'il y a un équilibre qui n'existe plus. Et là, le monde, il est trop parti en sucette. Donc, c'est normal qu'il y ait des primes qui explosent comme ça, qui dépassent le milliard. On dirait que notre épisode est accusé de meurtre. Oh! On l'avait dit, les refs. Je sais que beaucoup diront c'était évident, mais beaucoup ne lâchaient pas cette info. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je sais que maintenant, les gens vont dire bah, on savait alors que c'était faux. C'était faux! Ça nous lâchait. Le monde va savoir que Luffy, c'est Joy Boy. Le monde va tout découvrir. Et ça nous sortait même que la caméra, on va voir. Les membres du Gorosei à travers le monde entier tuer Vega.
C'était ça les théories, frérot. Non, 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 non. On a dit, Luffy, il faut qu'il ait le rôle du méchant. On veut pas qu'il ait le rôle du héros. Et ça fait plaisir. Ça, je suis con. Stylé la faute. Attendez, il a con. Pourquoi il y a la croix? Il s'est pas lavé le frérot depuis Alabasta ou. Pourquoi il y a la croix? Des fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Vous m'avez tué. Chut, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié. Par contre, le flow de Franky, il est incroyable. La veste en cuir, elle est incroyable, les refs. Quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Il devait y avoir des photographes du Wedge à Egghead. Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à prix élevé. Par contre, la croix, il n'en avait pas, c'est impossible. C'est impossible. Ah, c'est Vivi qui leur a mis la croix. Bah oui, c'est Vivi. Elle a réussi à trafiquer le, bah, je pense, les journaux avant qu'ils soient photocopiés en masse et qu'ils partent. Elle a placé la croix elle-même. Ah ouais. Du coup, elle fait passer un message au Mugiwara et comme de par hasard, c'est pour ça tout ce. Non! C'est pour ça Oda, il a fait ça là? Le petit arc avec Rhodes et tout, c'était juste pour que finalement, tous ceux qui savaient pour la croix, ils sont pas présents? C'était pour ça? Ben non, il y a Robin. Robin, elle était là. Non, Robin, elle était dans la cale. Elle est sortie après l'histoire de la croix et tout. Elle était pas là. Elle était pas là du tout. Donc c'est ça en fait. C'était pour faire passer un message. Et comme de par hasard, les Mugiwara, ils sont séparés. Donc ceux qui peuvent voir le message ne peuvent pas voir le message. Oda, c'est le vicelard. Oh, le petit vicelard. Vivi a dit c'est bon, j'ai laissé un message codé, ils vont comprendre que ils l'ont pas vu cousine, ils le verront peut-être pas ou pas avant longtemps. Une minute quand Luffy devient le plus libre, il a toujours eu cette marque sur le bras? Ah ça en parle, Oda il se met dessus, c'est bien Vivi qui l'a mis ça c'est sûr. C'est Vivi les refs. Un vrai dragon il va encore. Pourquoi frérot? C'est Vivi les refs, c'est Vivi. Et là Oda il le met en avant, c'est que c'est important. Ça ne me dit rien, mais il se déplace trop vite et saute sans arrêt. C'est étrange. La photo n'est pas claire, mais cette marque est parfaitement nette. Ouais, voilà, bah c'est ça. La photo, elle n'est pas claire, mais par contre, la marque, elle est nette. C'est Vivi, les refs. C'est Vivi. C'est Vivi. Pourquoi tu te dis d'un truc pareil? Parce que je crois que je l'ai déjà vu avant. Ah, bah elle l'a vu, mais elle n'était pas là pendant l'action, vu qu'elle l'a pas fait. C'est pas symbolique pour elle, mais elle l'a vu. Donc elle l'a vu sur le bras des Mugi. Trop fort. Stylé, hein, je kiffe de fou. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks? Bah ouais, frérot, chapeau de paille, ça y est, empereur. Mugiwara, l'empereur. Et oui, il fait partie de l'élite comme Shanks, ça y est, frérot. J'avoue que lui, il l'a vu arriver sur une île de crotte Little Garden. C'est une île, littéralement une crotte de poisson rouge géant. Il le retrouve, c'est un empereur, les refs. Il joue dans la cour de Shanks, incroyable. À ce qu'on raconte, un de nos jeunes Ajrudin est sous votre commandement maintenant. La classe! La classe, que ça fait kiffer. C'est des phrases comme ça qui font penser à. Qui font penser aux empereurs en fait. C'est ça qui fait kiffer. Il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Vraiment? Ajrudin, on savait qu'il était le fils d'un roi? Il voulait lui offrir du démon à Ajrudin pour revenir. Mais Ajrudin, et je sais plus si. Non, on savait pas, hein, on n'avait pas cette info. Ok. On va repartir dans un délire de Ajrodine, c'est un prince, je sais pas quoi, là, il n'y a que des princes et des princesses. Ajrodine et les autres voulaient venir vous aider. Mais nous autres, les vieux, sommes venus seuls. Parce qu'il y a eu quelques problèmes sur Elbaf. Des problèmes. Ah bah oui. Bah voilà, c'est bon, c'est vraiment le dernier arc de cette construction-là, les refs. On arrive sur une île à problème. Les Mugiwara arrivent quand il y a des problèmes. C'est bon, on arrive sur la construction. Faut en profiter, les refs. Après, c'est fini. Hein. Après, c'est fini ce type d'arc-là, les refs. Pendant l'absence des deux capitaines, un autre fils légitime du roi est né à Elbaf. Et il a été surnommé le prince maudit. Ah bah c'est le titre du chapitre. Il a été condamné à mort par crucifixion. Ah ouais, sympa. Il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces. Ce qu'on aime. Mais il a failli s'échapper récemment. Alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Attends, j'ai pas compris. Il a été condamné à mort par crucifixion il y a plusieurs années. Il y a longtemps, mais il a failli s'échapper récemment. Mais pourquoi ils l'ont pas tué il y a longtemps? Il y a un problème là. Alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. La phrase, vous avez compris ou pas les refs?
tout, il n'y a pas un souci là dans le. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je vous ai dit. C'est comme si, ouais, Mloxyd, il a été condamné à mort il y a 60 ans, mais là, il s'est échappé hier. Hein? Hein? Tous les guerriers d'Elbaf. Mais il a failli s'échapper récemment, alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Tous les guerriers d'Elbaf. Est-ce qu'il s'agit de. Genre, il a fallu tous les guerriers de l'île pour le stopper, le mec? Peut-être la trad, ouais. On n'a pas forcément lu. Ouais, peut-être là, ils ont dit, ouais, on t'exécute dans 100 ans, frère. Présomption d'innocence. Comment ça, il a fallu tous les guerriers? Mais il a failli s'échapper récemment, alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Tous les guerriers d'Elbaf. C'est qui ce monstre? Il a perdu la raison. Il désirait obtenir un fruit du démon légendaire qui se transmet dans la famille royale. Donc les géants ont bien un fruit du démon. Oh frérot, un géant avec un fruit du démon. C'est une singerie, Sony, si tu te souviens. Et je disais qu'il risquait d'avoir des divergences chez les géants. Genre les gentils et les méchants. Tu penses qu'on aura un truc comme ça? Franchement, là, frérot, c'est de la foule découverte. Je pense, oui. Les géants, c'est comme des êtres vivants. Il y a forcément des gens bons, des géants bons et des géants mauvais. Pour ça, il a tué son père, le roi Harald. Oh! Ah ouais! Comment on appelle quand tu tues ton père? Fratricide, c'est quand tu tues ton frère? Patricide? Comment on appelle quand on tue son père? C'est un nom comme ça, là. Patricide, ouais, c'est ça. Merci, Ander. Merci, mon ref. Ouais. C'est Itachi. Est-ce qu'il y a un petit géant qui a réussi à s'enfuir? Si le prince maudit Loki est libéré, il détruit. Oh, le flop de malade! Oh, c'est Loki! Vous vous rappelez, j'avais dit Loki, ça allait être un mytho, ça allait être comme ça allait être comme Usopp. En fait, il est nul à chier, il va faire croire qu'il est fort. Non, genre pour l'arrêter, ils ont mis l'île entière. Mais c'est qui ce monstre? Si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Mais c'est quoi ce monstre? On en parlait, hein. Durant les cross-guides. Ce qui est cool, c'est que c'est cohérent, les refs. Si vraiment il existe un monstre extrêmement fort, c'est cohérent de ouf, parce que c'est une île qui n'est pas en communication avec le monde. Et c'est une île qui fonctionne pas en mode il y a des empereurs, il y a un équilibre, non. Donc en fait, tu peux mettre un mec qui est même plus fort que Roger, même plus fort que n'importe qui. Et à aucun moment, on se dira, ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Parce que du coup, ils vivent dans leur monde à eux. Donc, monstrueux, il détruira le monde. Ah ouais, il est la honte d'Elbaf. Oh le frérot, attends, chez tous les géants, ils se sont mis pour l'arrêter. Tous les géants. Ah ouais, qu'est-ce que j'aime cette vibe-là. J'ai hâte qu'on le découvre, le frérot. Attendez, attendez, j'ai vu quoi là? Ah, j'ai quoi que j'ai vu là? Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. C'est quoi là? Il y a, le découpage, il est bizarre. J'ai l'impression que j'ai changé de page. Les refs, attendez. Parce que c'est possible avec ma souris. J'ai pas fait un double clic. Rassurez-moi ceux qui l'ont lu. J'ai fait un double clic ou pas? Non, non. Donc c'est vraiment la page d'après. Oh, c'est quoi ça, ce monstre? Mais c'est Loki, c'est sûr, c'est lui. Ils l'ont enchaîné. C'est quoi ce flot de zinzin? Je vous jure, on dirait pas du One Piece. Les refs, je vous promets, j'ai pas l'impression qu'il sort de One Piece, les refs. Sincèrement, tu me montres que cette case-là, c'est pas du One Piece. Oh, le flot, avec Luffy, même Luffy, la beau gosse de ouf. Oh là 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 là, le petit sourire, là, le grand sourire. Comment il est attaché, il est. Ils sont géants. Après, Oda et la perspective. Les refs, c'est avec qui devait se marier déjà? Vous vous rappelez ou pas? La pauvre. Non mais, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, hein, les refs. Hein. Mais la pauvre Lola, là. C'est un homicide. Il n'y a pas de. Et il faut adopter. Là, ils adoptent. Là, le frérot. Bon, les refs. Bon. Bon, le frérot. Bon. Là, oh. Là, ils abusent avec les mariages, les refs. C'est abusé, là. Il y a une référence au Loki de la mythologie nordique. Tu peux nous en dire plus, frérot?
Oh, il est incroyable. T'es qui, toi? Oh, ah, j'aime bien ton t'es qui, toi? Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Le roi. C'est quoi cet endroit? Et t'es qui, toi aussi? Oh, comment il est gigantesque! Au-delà des perspectives, c'est spécial, hein, mais il est gigantesque! Ah, les cheveux, des vrais tatouages partout. Ouais, non, je suis désolé, Loki, pardon, pardonne-moi de t'avoir comparé à Usopp. Je suis désolé d'avoir dit que ça se trouve, Loki, c'est un mytho. Ça va être un Usopp bis, ils vont être potes, ils vont foutre la merde ensemble à Elbaf. Non. Non, 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 non. Usopp, il se chie dessus depuis le début d'Elbaf. Non, lui, oh, le design de fou furieux. Donc, pour l'arrêter, c'est tous les géants de l'île. Qu'ils l'ont stoppé. Yeux bandés est égal lien avec le fruit. Peut-être, peut-être. C'est vrai qu'il a récupéré le fruit du démon. Est-ce qu'ils ont bandé ses yeux parce que, ouais, peut-être, peut-être. En même temps, tu vas quand même. Ouais, après, ça, on sait tous que Oda et les ombres, les silhouettes, ça veut tellement rien dire. Ça veut tellement rien dire. Maintenant, il a quel fruit du démon? C'est ça le truc. Un fruit du démon légendaire, hein, pas un truc de merde. Hein. Un fruit du démon légendaire. Et comme c'est Mame Sophia, pas bête, hein, le fait qu'ils ont bandé les yeux là. C'est se trouve, ils l'ont bandé exprès à cause de son fruit du démon. Il y aura la redit sur YouTube, mon ref. C'est archi possible. Hein. Oh! Oh la dinguerie! Ça me fait penser à Onigashima, c'est magnifique. Ah ouais, non, c'est masterclass. Regardez l'épée, regardez, il y a une épée, wesh. Mais elle est immense. Là, il y a une ville, il y a un château. Là, il y a des canons. Ils sont là, les Mugiwara, ça tremble. Ah ouais, ils sont tout là, là. Ils sont tout en bas, là, ils montent. Oh. Masterclass. Waouh, le dessin est magnifique. T'es sur Warland, autrement dit, le royaume des guerriers d'Elbaf, le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. C'est le délire de Valhalla, ça. Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Loki, le dieu soleil. C'est hors du commun. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Une lame noire? Non, non, elle semble pas noire du tout, la lame. Même elle est pas noire. Depuis longtemps, pause de 2 semaines. Ah ouais, les bâtards, il y a même marqué en bas à droite. Oh, magnifique, magnifique. L'île, c'est la dernière île de découverte, vraiment, où il y a un peuple et tout qui vit pour moi. Et du coup, la masterclass. Oh, on y est, les refs, ça y est, on est à Elbaf, c'est fait. Il va y avoir un arc Elbaf, les refs. En fait, je pense que Dieu Soleil, pour eux, c'est l'équivalent de Dieu tout court. C'est leur Dieu en mode, c'est le haut gradé, c'est le. C'est le grand grade, quoi. Si tu veux te considérer comme un Dieu, pour eux, c'est le Dieu Soleil. Sauf que quand il va voir Luffy se transformer en Ika, ça va être incroyable. Oh là là. Et Luffy, il est déjà en face de lui. Vous imaginez une seule seconde, il massacre Luffy. Imaginez une seule seconde, il chie sur Luffy là tout de suite en live. Luffy se fait massacrer. Oh, c'est incroyable. 100% ce compte Luffy va le libérer, c'est archi possible. Il y a un monde où c'est tellement possible. Mais vous imaginez si Loki là, il monte en l'air Luffy, genre Luffy perd, se fait humilier. Serait incroyable. Parce qu'il a fallu tous les géants de l'île pour l'arrêter, les refs. Hein. On verra la trad officielle, ça se trouve, la trad officielle, ce sera pas ça du tout. Mais s'il a fallu tous les géants pour l'arrêter et que genre, ouais, il peut détruire le monde. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que l'épée appartenait à un géant titanesque, genre un mec qui avait le crâne qui faisait la taille d'Onigashima. C'est possible, c'est possible. Sinon, tu penses que Loki croit avoir mangé le fruit de Nika, ce con. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs fruits du démon ultra légendaires de ouf. Hein. Mais je trouve ça monstrueux. J'y crois pas. C'est possible, son fruit du démon peut créer la surprise et battre Luffy. Je sais pas, mais j'aime bien l'idée des yeux. C'est Mams qui a dit ça tout à l'heure. J'aime beaucoup cette idée. Usopp, meilleur pote de Loki. J'espère qu'il y aura un lien, parce que Usopp,
il faut qu'il se passe quelque chose. Usopp, à un moment donné, là, ça y est, c'est censé être son arc pour moi. Vraiment, c'est pas censé parce que Oda nous l'a pas dit. Ça, c'est nous, en tant que fans, on se dit, ouais, il faut que. Oda, il peut dire non, mais j'espère qu'il fera un truc. Ouais. Et si l'équipage était sur Elbaf pendant la période de jeûne et que le pays serait sous l'hiver et que l'arrivée de Luffy était la fin du jeûne, donc l'arrivée du soleil. Je sais pas, mon rêve, peut-être. Voilà, on est d'accord pour Usopp. On est d'accord pour Usopp. Moi, ma 9, les frérots, ma note, c'est un 9 sur 10. Il est incroyable le chapitre, les refs. Il est incroyable le chapitre. Chopper a dit que Luffy. Oh, merci Amloxyd, merci mon ref, merci beaucoup. Chopper a dit que Luffy a le don de repérer instinctivement son adversaire. Mais c'est. Attends, bien vu mon ref! Attends. Attendez, me dites pas qu'il parle de puissance du coup là. Attendez, me dites pas qu'il parle de puissance là. Tu l'as ressenti toi aussi, non? Ça m'a fait des frissons. Genre, il parle de la puissance de. Incroyable. Parallèle avec Skypea, avec Lucky qui se prend pour un dieu comme Ener. Oui, Aurel, totalement, mon ref. Foire la mythologie nordique, peut-être Zoan mythologique du serpent rouge. Ah, pas bête du tout, Brian, pas bête du tout. Mais là, ouais, après, je pense que Oda, il va faire v'là les mélanges. Il va faire v'là les mélanges. Mais là, il parle de puissance. Genre, ça lui a donné des frissons. Incroyable. Incroyable, les refs. Ah ouais. C'est genre. Là, il n'y a pas de doute. Quand on parle d'un personnage dangereux, là, tu le sens, là, c'est incroyable. À tout moment, Luffy va se faire froisser. Mais moi, je vous jure, je pensais vraiment qu'il allait servir d'un Loki éclataxe. D'un Loki trompeur. D'un Loki, il a trompé son monde. Non, non, c'est un monstre. Sonny, il faut voir s'il y a. Il a dit dans le même pour Kizaru sur Egghead. Ah, c'était pas la même, frérot. Là, c'est différent. Là, il dit, tu l'as ressenti toi aussi, ça m'a fait des frissons. Là, frérot, je compare pas. Je compare pas du tout parce que Kizaru, quand il est arrivé sur l'île, il a pas dit ça. Il a pas dit ça. C'est quand il a vu la lumière arriver qu'il a senti. Il s'est dit, wow, il y a un mec puissant qui arrive. Là, il a pas. Il n'est pas arrivé. Il a pas donné quelque chose pour dire en mode, ouais, je vais te monter en l'air, Luffy, tu vois. Là, il est posé, accroché dans un arbre. Il a dit, tu l'as ressenti toi aussi, non, ça m'a fait des frissons. C'est incroyable. Moi, perso, ça me choque. D'ailleurs, vu que Loki et Rhodes, qui ont le même âge, se prennent pour le dieu soleil, il y a peut-être une prophétie sur Elbaf pour le retour de Nika comme Roger, et donc les jeunes pensent être le Joy Boy. Oui, il doit y avoir un retour de Joy Boy. Je suis sûr qu'il y a une prophétie, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Que Joy Boy, de toute façon, Joy Boy était lié à ce peuple-là, était très ami à ce peuple-là, et donc forcément, il a promis un retour. C'est sûr. C'est certain, les refs. C'est incroyable. Non, le chapitre est trop plaisant de fou. La petite croix de Vivi, le dessin incroyable. Le dessin, en fait, je sais qu'il y en a peut-être que ceux qui suivent One Piece sans vraiment suivre et qui aiment juste regarder One Piece et tout, ils peuvent dire par exemple qu'on est des maxeurs quand on voit cette scène-là et qu'on réagisse. Mais c'est pas le dessin du siècle. Non, c'est pas waouh, jamais vu ça de ma vie dans des mangas. Non, non. C'est que c'est pas du One Piece. Là, tu retires le panel comme ça, là. Tu me montres juste comme ça le personnage et tout. Je vous jure, je pense pas que c'est One Piece. C'est le flow qui est donné. C'est stylé de fou. Incroyable, le flow de Luffy face à Loki. Non, là, magnifique, cette page, elle est magnifique. J'ai hâte de voir les réactions des géants au tambour de Luffy. J'ai hâte de voir ouais, Luffy en mode Nika, en mode Jacob, qui se mettra en mode géant si jamais il l'affronte. Incroyable. Pff, regardez ses yeux. Il a les mêmes yeux que Ryu, ce bâtard. Et là, Elbaf, magnifique, les refs, on y est. Ça y est, on est sur Elbaf, c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais, du coup, il y a bien Cross Guild dimanche, je tenais à vous le confirmer, les refs. Mais incroyable. Je suis entre ce chapitre et celui de premier de Kaido, lequel est meilleur? Ah, Kaido. Kaido, pourquoi? Parce que la présentation du narrateur, elle était stratosphérique. Et surtout qu'on l'attendait, Kaido. On l'attend depuis longtemps. Il est face à des personnages qu'on connaît. On se dit, on a peur pour eux et on sait que Luffy va l'affronter. Là, Loki, on nous en parle que dans le chapitre, on nous dit que c'est un monstre. Avant, on ne sait pas. Avant, on peut supputer que non, supputer que oui. Mais là, dans ce chapitre, on te dit que ouais, on l'a enchaîné. Tous les géants de l'île l'ont enchaîné. Qu'il a tué son père. C'est un fou. Il est dangereux, il est puissant et il veut détruire le monde, quoi. Qui détruira le monde, Loki. Il veut détruire le monde, le Boug. Là, ah, c'est incroyable.
Non, par contre, les refs, on va vivre maintenant 2 semaines sans chapitre, là. Enfin, 3 semaines, avec ta troisième semaine, un chapitre. Ouais, c'est chaud, c'est dur. Supputé. Tu connais pas ce mot-là, Jeff? Franchement, je pense pas qu'il ait le niveau de chant que c'est tout. Tu penses ainsi qu'il est plus faible? Ah, franchement, je sais pas, mais. Je sais pas, mais potentiellement, il peut l'être. Et c'est pas un problème s'il est plus fort. En vrai, il n'y a pas d'incohérence, c'est ça qui est bien. Nous, par exemple, quand on dit oui, il y en a qui nous disent ouais, vous êtes pro-Yonko. Non, c'est pas qu'on est pro-Yonko, c'est pas que je suis pro-Yonko. C'est qu'actuellement, dans le monde de One Piece, les personnages les plus libres et les plus dangereux, ça reste les empereurs. Sauf sur cette île-là, qui, elle, ne joue pas dans les règles du monde de One Piece, en fait. Elle vit dans son propre. Elle vit en autarcie, elle vit dans son monde. C'est son propre monde. S'il n'y a pas d'autre bonne lecture à Dean. Et donc, du coup, dans ce monde-là, il peut y avoir n'importe quel niveau de puissance, tant que ça ne rentre pas dans une incohérence de l'œuvre, il n'y a pas de problème. Si on nous dit, je vous jure c'est vrai, si on nous dit Loki est 3 fois plus fort qu'un Kaido, et on nous le dit factuellement, Oda il écrit ouais, il est 3 fois plus fort qu'un Kaido, on se dirait pas c'est incohérent. Parce qu'en fait, il vivait en autarcie dans cette île-là. Cette île-là, elle est coupée du monde, entre guillemets. Il y a des géants qui traversent le monde, mais elle n'est pas en communication, elle n'est pas liée au gouvernement mondial, elle n'interagit pas directement avec le monde en tant que tel. Donc, Certil, tu fais ce que tu veux en fait. Ça qui est génial. Et en plus, il l'a laissé pour la fin. C'est extraordinaire, c'est stylé. Parce que Luffy est empereur, il a un niveau de fou. Mais là, c'est pas un problème. Oh, ça a mis une fleur. T'arrives à la fin de la réacte. S'il est niveau premier commandant, c'est déjà bien. C'est vrai, tu penses à Zenos? Ah non, j'espère pas, perso. J'espère qu'il est plus fort. J'espère qu'il est vraiment plus fort. Je te jure, mon ref. J'espère vraiment qu'il est fort. J'espère que Loki n'est pas le vrai. En tas de l'arc, j'espère qu'on lui a fait porter le chapeau de la mort du roi et qu'il joue un rôle pour protéger son pays du vrai Anta. Un peu comme Dressrosa. Oh, ça serait incroyable, même Sofia. Ce serait incroyable. Mais je sais pas, il a l'air terrifiant là. En tout cas, si Oda nous fait ça pour après nous faire que c'est un king dans One Punch Man, je pleure. Je pleure, les refs. Ceux qui ont regardé One Punch Man, ils captent très bien de qui je parle quand je parle de King. King, les gens, ils pensent que c'est le GOAT suprême. Genre, il est tellement fort que il y a des tambours. Quand il approche, en fait, c'est son cœur. Il bat tellement il se chie dessus. Ça fait le rythme de tambour et tout. Les gens, ils se disent, waouh, putain, il y a King qui est là. Ça. Si jamais Loki, on apprend que c'est le même cas, je serais dégoûté de ouf. Ah, je serais dégoûté. Pas après ça. Pas après ce chara-design, cette posture, cette puissance. Non. Incroyable. Non, tambour de mon cul, Sunny. Et si Shanks était venu sur Elbaf pour s'occuper de lui? Ah, t'imagines la dinguerie? Avec un bras, elle dit bouge pas, je t'ai dit. Ah, ce serait incroyable. Il a aussi tué son père, le fameux King. Ce serait incroyable, hein, avec les balafres de Shanks. Comme dans Monster, avec le Mihawk originel. Oui, c'est ça, frérot. Exactement, une vraie fraude. Il s'est passé pour un goat, et finalement, non. En tout cas, les chapitres précédents dans ce pays miniature ont été bien joués, car le contraste est saisissant. Ouais, c'est stylé, c'est bien fait. C'est très bien fait, et même au final, on sait pourquoi. On sait pourquoi. On nous explique Rhodes, on nous explique que du coup, il y a un problème dans l'équipage. Bon, ils ne se kiffent pas tous dans l'équipage d'Ajrudine. Ajrudine va avoir un rôle à jouer dans cet arc. Ils sont là, l'équipage, il va avoir un rôle à jouer. C'est intéressant de l'avoir mis comme ça. Et derrière, surtout Oda, les refs, c'est pas pour rien. Hein. C'est surtout pour ça, hein, la croix.